La plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin a organisé du 29 au 30 mai dernier les journées du secteur de la santé privée. Elle regroupe toutes les associations du secteur privé qui exercent dans le domaine de la santé. Pendant 2 jours, elles ont réfléchi sur les performances en qualité, leurs difficultés et les solutions éventuelles de leur plateforme. Consciente de son apport aux questions de santé, la PSSP a décidé de travailler dans une synergie d'action pour l'atteinte de meilleures performances. Je crois personnellement que si ces 2 journées n'avaient pas existé, il lui fallut qu'on les créa, comme on dit souvent. Ce fut une grosse opportunité pour les membres de la plateforme de se retrouver pour discuter des questions d'intérêt commun en lien avec non seulement la plateforme, mais aussi les organisations, des questions en lien avec la gouvernance, des questions en lien avec la vie associative. Et puis, quelles sont les connexions avec la PSSP? Qu'est-ce que ces organisations tirent de la PSSP? Et quel est le lien programmatique ou entre ces organisations, la PSSP et le ministère de la Santé? Moi, je crois que c'était une partie gagnée. Ces différentes formations sanitaires ont reconnu la valeur de l'appui des partenaires techniques et financiers, puis la pertinence des nouvelles réformes introduites dans les secteurs par le gouvernement. La PSSP se réjouit de la nature du partenariat public-privé dans les secteurs de la santé. Cette satisfaction est bien sûr le résultat du travail collectif de chacun des membres de la PSSP. Leur présence dans la salle et en ligne, leur contribution active, le partage des réalisations phares de chacune des associations ont largement enrichi les échanges et contribué au succès de ces journées du secteur sanitaire privé du Bénin et traduit la force de la PSSP arc-en-ciel. Son nouveau conseil d'administration s'engage à travailler davantage pour l'efficacité de son rôle dans le système sanitaire béninois. Les partenaires habituels expriment leur désir de continuer à appuyer la PSSP, qui, pour eux, a de grands rôles à jouer dans le secteur sanitaire béninois. En tant que partenaire de ce voyage vers le développement durable, l'USAID travaille avec les gouvernements des pays hôtes et ses partenaires multilatéraux pour obtenir des résultats durables au niveau local, en aidant les pays à mobiliser des revenus publics et privés, en renforçant les capacités locales et en accélérant le développement axé sur les initiatives privées. L'USAID félicite que le Bénin est déjà sur le voyage à travers la consolidation de l'axe partenariat public-privé dans le secteur de la santé. Au cours de ces journées, il y a eu une communication formative en gouvernance administrative. Les capacités ont été renforcées pour une gestion efficiente de la PSSP. Et au cours de ces échanges, nous avons vu combien chacun des membres tenait à ce que les relations avec le secteur public soient des relations profitable pour la population, pour le système de santé béninois. De plus, 3 nouvelles associations ont adhéré formellement à la PSSP. Ces 2 jours de réflexion vont donc déboucher sur de nouvelles actions pour le bonheur non seulement de la plateforme, mais également des patients qui fréquentent les formations sanitaires du privé. La bonne gestion de la PSSP est également garantie.